Thank you.
écouter la parole de Dieu. Hear the word of God. Mon frère, ma soeur, prépare ton cœur. My brother, my sister, get your heart ready. Prépare ton cœur. Get your heart ready. Pour recevoir la parole. To receive the word. Dieu a préparé son règne. God has prepared his anointing. Pour te nourrir avec sa parole. To feed you with his word. C'est la parole qui guérit. It's the word that heals. C'est la parole qui sauve. It's the word that saves. C'est à cause de cette parole que nous sommes là. So that because of his word. Et nous savons tous que Jésus lui-même est la parole. And we all know that Jesus himself is the word. Alléluia. Sous vos applaudissements. With your hand clapping. Sous vos applaudissements. With your hand clapping. Your name is one more time. Your name.
Understand English for now. Si tu ne comprends pas l'anglais pour le moment. Because I have a pastor by my side. Who will help me in French? Amen. Thank you for the thank you. I thank the committee of the church. Je remercie le comité de l'église for allowing me to be here this morning. M'avoir permis d'être ici ce matin. So if you don't know me, my name is Dr. Guy. And I am a worshipper before being a preacher. Si vous ne savez pas mon nom, c'est Dr. Guy. Je suis un adorateur avant d'être un prédicateur. Thank you. Amen. This morning we are discussing the topic. Okay, ce matin nous allons parler du thème. Exerting dominion through prayer. Exercer la dominion à travers la prière. Exercer la domination
à travers la prière. Exerting dominion through prayer. Exercer la domination à travers la prière. You know, the subject of prayer is a very broad subject. Le sujet de la prière est très vaste. And if I start asking a question right now, you certainly will have something to tell me about prayer. Et si je commence par vous poser des questions, vous aurez certainement des choses à me dire concernant la prière. So, I'm saying this up front so that you don't, excuse me the word, you don't pretend to know what I'm going to talk about. Et je dis ceci au début parce que je ne veux pas que tu commence pas à dire ah je sais ce dont il va parler et autres. Because once you have this mind, parce que si tu as déjà cette idée préconçue, you are putting yourself aside of what the Lord wanted to give you this morning. Cela veut dire que tu ne veux pas pour recevoir ce que le Seigneur a pour toi. So I know that what I'm going to say will be new to some and will be refreshing to others. Et je sais que ce que je vais dire sera peut-être nouveau pour certaines personnes, peut-être juste un rappel pour d'autres personnes. So, in a way, be ready to receive. Mais dans tous les cas, j'aimerais que vous soyez prêts pour recevoir. Can you tell somebody by your side, please, be ready to receive. Celui qui est à côté de toi, sois prêt pour recevoir. Hallelujah. So, we're going to read some verses. Nous allons lire quelques versets. And then, at the end of this preaching, et à la fin de ce message, what is my goal? Qu'est-ce que j'aimerais communiquer? My goal is that at the end of this preaching, mon objectif c'est que à la fin de cette prédication, you should know que tu sois capable how to use the tool of prayer, que tu sois capable d'utiliser l'outil là qui est la prière. To exert dominion. Pour exercer la domination. Hallelujah. Are you ready? Est-ce que tu es prêt? Let's read together James chapter 5. Nous allons lire dans le livre de Jacques. James chapter 5. Jacques, le chapitre 5. And we are taking it from 13 through 18. James 5. Jacques chapitre 5. Hallelujah. À partir du verset 13. Yes. James 5, from verse 13 to 18. Who wants to help me? Who wants to help me read it? Okay, go ahead. Jacques 5, à partir du verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Mm-hmm. Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Mm-hmm. Qu'il chante les cantiques. Mm-hmm. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en le nom de Dieu, au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie. Et la terre produit son fruit. Verset 19. Mais non, c'est bon. Thank you. James 5. From verse 13, I'm reading in the King James Version. It is written, is any among you afflicted? Let him pray. Underline that word. We're coming back to it. Is any merry? Let him sing psalms. Is any sin that is sick among you? Let him call for the elders of the church and let them do what? Let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith, not the anointing oil, but the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. And if he have committed sin, they shall be forgiven him. Verse 16 says, confess your fault one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man
availeth much. Verse 17 says, Elias was a man subject to like passion as we are, and he prayed earnestly that it might not rain, and it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. And the last verse says, and he prayed again. He prayed first, and he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruits. Pray. Let's read another one in 1 Thessalonians 5:17. Don't even open your Bible for that. You have to know it. It says what? 1 Thessalonians 5:17. Don't say anything. Don't say anything. Who wants to quote that verse for me? It's 1 Thessalonians 5:17. 1 Thessalonians 5:17. My apostles. Qui connaissent le verset par cœur. Apostle Caleb. Do you know that? Apostle Ronnie. First Thessalonians 5:17. It says what? Pray without ceasing. It means pray continually. You're coming back to that. Ce verset dit prier sans cesse, ce qui veut dire prier d'une manière continuelle. Okay, the last verse we're going to read. Et le dernier verset. Acts chapter 4, verse 31. Acts 4:31. It says this, and when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spake the word of God with boldness. Car ils priaient, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et il annonçait la parole de Dieu avec assurance. Exerting the dominion through prayer. Exercer la domination par la prière. The passages we just read. Les passages que nous venons de lire. All of them are talking about prayer. Ces passages parlent de la prière. And you will notice that I haven't read any passage in the Old Testament. Et vous pouvez remarquer que je n'ai pas lu de passage dans l'Ancien Testament. And everything I read was from the New Testament. Nous venons de lire est dans le Nouveau Testament. I did it purposely. Et je l'ai fait par esprit. Because when we were reading in James, parce que quand nous lisons dans le livre de Jacques, James has already made a reference about someone from the Old Testament. Parce que quand nous lisons Jacques a déjà référé a déjà repéré quelqu'un de l'Ancien Testament. So we saw through all those passages that prayer is important. Alors nous avons vu par ces passages que la prière est vraiment importante. Prayer, la prière, help us to be healed from sickness. La prière nous aide à être guéri de la maladie. And when we pray for one another, we will be healed. That's what we read in James. Et quand nous prions les uns pour les autres, nous serons guéris. C'est ce que le livre de Jacques nous a dit. And Apostle Paul also encourages us to pray continually. Et l'apôtre Paul nous a aussi encouragé à prier continuellement. And then we look into the Acts of Apostles and we saw apostles while praying, the place where they were standing shook. Et nous avons vu dans les Actes des Apôtres que quand les apôtres ont prié, la place où ils étaient trembla. What did they do for the place to shake? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que la place où ils étaient? They prayed. Ils ont prié. They do what? Qu'est-ce qu'ils ont fait? They prayed. Ils ont prié. They prayed. Ils ont prié. What was the last time we prayed and the place where we are? Qui se rappelle de la dernière fois où il a prié bien dans un groupe où vous avez prié et que la place a tremblé? Or you come to prayer meeting in this church, for example. Yes, just an example. I used to have the prayer ici dans cette église. And we pray, and it's like nous prions et earthquake. Et nous avons remarqué qu'il y a tremblement de terre. Est-ce que c'est la same? Does this happen to you once? Friday. Pas encore. Amen. Pas encore. James. Not yet. Pas encore. So we are saying that prayer is important. Alors nous voyons que la prière est très importante. Now, before we go to the importance of prayer and how we can use that prayer to exert dominion, what is then the prayer? Alors avant que nous nous voyons l'importance de la prière et qu'est-ce que la prière?
What is prayer? Qu'est-ce que la prière? I know if I give you the mic right now. Je sais que si je vous donne le micro maintenant, I'm certain 100% that you will tell me that prayer is talking to. Et je sais que quand je vous donne le micro maintenant, vous allez me dire que prier c'est communier avec Dieu. Non, pas avec communier. Ah, okay. Parler. C'est parler. Prier c'est parler avec Dieu. I know the average Christian's definition of prayer is talking to God. Et nous les chrétiens nous définissons la prière comme parler à Dieu. But let me tell you something. Mais je vais vous dire quelque chose. Prayer is not about only God. Et la prière n'est pas seulement Okay, n'est pas seulement adressé à Dieu seul. Do you know that even the priest in my village prays? Est-ce que vous savez que les prêtres vaudous même dans mon village prient? Yes, we pray. We pray. So prayer, alors la prière, taken globally, d'une manière générale, is a tool to communicate with the spiritual realm. C'est une manière de communiquer avec le monde spirituel. Buddhists pray. Les bouddhistes pray. Muslims pray. Les musulmans prient. The voodoo worshippers pray. Et même les adorateurs de voodoo, ils prient aussi. The Shintoists pray. Ah, les Shintoists. Yes, all them they pray. Toutes ces personnes, ils prient. Now, the definition of prayer that I'm going to give you right now. Alors la définition de la prière que je suis en train de vous donner. Is about our kingdom. Cela concerne notre royaume. The kingdom of our Father. Le royaume de notre Dieu. The kingdom of our God. Le royaume de notre Dieu. What is prayer? Qu'est-ce que la prière? According to our kingdom. Selon notre royaume. Prayer. If you want to write it down, you can write it. Si tu veux prendre le note, tu peux prendre le note. Prayer. La prière is a relationship-based communication between you and God. La prière est une prayer is a relationship-based communication between you and God. So la prière est basée sur une relation et par là tu communiques avec Dieu. Voilà. Donc la prière est une communication qui est basée sur une relation avec un Dieu. Prayer is a relationship based. Yeah, communication between you and God. La prière, c'est ça. Can you repeat after me? Prayer. La prière. Prayer. La prière is a relationship based. Basée sur la relation. Communication. Une communication between you entre toi and God. Et Dieu. Come on, take it again. Prayer. La prière is a relationship based. Basée sur la relation. Communication. La communication between you entre toi and God. Now, let me explain those two components that I just talked about in this definition. Alors, je vais expliquer un peu les éléments de cette définition. Relationship, la relation, and communication. Et la communication. Hallelujah. Amen. Prayer, la prière, is communication. C'est une communication. Now, if we want to define communication, alors si nous voulons définir la communication, what is communication? Qu'est-ce que la communication? Now, communication has a lot of definitions. A lot. La communication a beaucoup de définitions. But when I was searching yesterday, one of the definitions just caught my attention. Une des définitions a capté mon attention. Let me read it in my note here. Je vais le lire dans mon note ici. Communication. La communication is a two-way process. C'est un processus à deux voies. Thank you. T'as la très bien traduit. Merci. Is a two-way communication. Est un processus à deux voies. Of talking, de parler, and responding, et d'avoir des réponses. Where individuals exchange information. Quand les individus échangent des informations. Ideas, des idées, or feelings, et même des émotions. Through, par, verbal or non-verbal means. Par la voix verbale, par des moyens verbaux, par des moyens verbaux ou non verbaux. Ou non verbaux. With the goal
of mutual understanding and shared meaning with the goal of mutual understanding. Avec l'objectif de se comprendre les uns les autres. And share meaning. Et d'avoir des idées en commun. Voilà. Now, to that point, alors par ceci, prayer is then, alors la prière est, simply put, pour simplifier, talking to God, parler à Dieu. Listen to me very carefully. Prayer, la prière, from that perspective, après tout ce que nous venons de dire, is prayer, la prière maintenant, talking to God, parler à Dieu, and God responding to et you, Dieu vous, qui répond à vous. Do you know, est-ce que vous savez, that the reason why we have a lot of defeated Christians in our churches today is the simple reason is that when they talk to God, they don't even give him the time to respond. We pray, we pray, we pray, we say everything we want to say, and then amen, and we go. Without allowing your lover to talk back to you. If you pray only by talking to God, you have not prayed. Alors, pourquoi nous avons des chrétiens qui faillissent, les chrétiens qui ne réussissent pas dans leur vie chrétienne, c'est parce que quand ils vont pour prier, ils prient, ils parlent à Dieu et puis ils n'attendent pas pour recevoir la réponse venant de Dieu. Et quand toi tu parles à Dieu et que tu ne reçois pas une réponse venant de lui, c'est que tu n'as pas prié. You haven't prayed. C'est que tu n'as pas prié. You just go talk. Tu es allé parler. You just go talk. Tu es allé jusqu'au parler. You haven't prayed. Tu n'as pas prié. And this is when the relationship, the second component, this is when the relationship comes in. Alors maintenant nous pouvons maintenant comprendre pourquoi j'ai dit relation. Doesn't want you to come and pray. Dieu ne veut pas que tu viennes et prier. God doesn't want that. Dieu ne veut pas cela. In the first place. Et d'abord, what he wants, ce qu'il voulait, is, ce qu'il veut, is relationship. Cette relation. Ah, come on, somebody say relationship. Relation. God cares about everything concerning you. Every single thing. Dieu se soucie de tout ce qui te concerne. So he wants you just to come. Alors il veut que tu viennes seulement. So that we talk about. Pour que vous discutez de cela. He said, come, let's talk. Viens. Let's give you. Let me give you this example. Je vais vous donner cet exemple. Can you? Est-ce que Maman Dombé. Maman Dombé. Can you spend a day? Est-ce que tu peux passer une journée without talking to that handsome young man? Sans parler à ce monsieur, impossible. Ce monsieur là. Impossible. C'est impossible. Me too. Moi aussi. I cannot spend a day. Je ne peux pas passer une journée. A whole 24 hours. Une durée de 24 heures. Without talking to this young girl over there. Sans parler avec cette jeune dame au vol. Hallelujah. Amen. So if you understand prayer, that prayer is first of all a relationship. Alors, si nous comprenons que la prière d'abord est une relation, you will think about prayer differently. Alors, ta manière de penser à la prière sera différente. So you will understand that. Tu comprendras. If you say you love God, si tu dis que tu aimes Dieu, in fact you don't really love. En réalité, tu ne l'aimes pas vraiment. Because I remember, Pastor Justin. Je me rappelle, Pastor. Let me ask you this question. Je vais te poser une question. Do you remember the time where you and your wife were just fiancé, not tu te rappelles le temps où toi tu étais en fiançailles avec ton ta femme? How many hours do you spend on the phone? I can't hear the phone. Just remember. A lot. Thank you, Pastor. Passer beaucoup de temps au téléphone. A lot. Beaucoup de temps. Why? Pourquoi? Relationship. La relation. Relationship. La relation. If this brother doesn't call you, you are a girl and you have your fiancé. And the brother. And the brother doesn't call you. Le monsieur qui a le genou ne t'appelle pas. He doesn't call you for just. Let's say that you meet today and you talk, and even when you separate and you went home, he didn't even call you to check if you reached home. You will start. I know women. Come on, women.
We've been married for a while now, so I know that this season, amen? Un homme dans ta vie, vous venez de parler et que tu rentres et que à la maison, lui ne t'appelle pas pour voir si tu es bien rentré ou pas. Et you start thinking, tu vas commencer par penser. Does he love me? Est-ce qu'il m'aime vraiment? He didn't check on me. Il ne me s'est même pas soucié. And then you start building up things that even that don't exist. Et tu commences par avoir des pensées. Irréel. So you see the importance of relationship. Alors vous voyez l'importance de la relation. This is exactly what God wants. C'est ce que Dieu veut exactement. I love you. Je t'aime. I just want you to love me. Je veux que tu m'aimes en retour. And when you come in my presence, et quand tu viens dans ma présence, we talk. Nous parlons. You talk to me. Tu me parles. And I talk to you. Et je te parle. If you can do that, si tu peux faire cela, if only you can understand prayer like that, si seulement tu peux comprendre la prière comme cela, nobody will be insisting before you pray. Et personne ne peut dire de prier avant que tu ne commences pas à prier. Because, parce que, just as when you don't call your husband or you don't call your wife or you don't call your fiancé, you feel an emptiness. You know that. It's like you have to do something. De la même manière, quand tu n'appelles pas ton mari ou bien ta fiancée et que tu sens déjà une vie, c'est de la même manière. God, Dieu, His presence, sa présence, His love, son amour, His particular way of talking to you will be missing. Et alors tu auras envie de cette manière particulière dont Dieu te parle. Amen. So you understand. Alors tu comprends that at the end of the day. À la fin de la journée, prayer is not that hard. La prière n'est pas si difficile. Because I'm in relationship with someone. Je suis en relation avec une personne. His name is God. Et son nom c'est Dieu. His name is Yahweh. Son nom c'est Yahweh. And he's my father. Il est mon père. And I'm in relationship with him. And he just wants me to talk to him. Et je suis en relation avec lui. Et tout ce qu'il veut, c'est que je puisse le parler. And him talking back to me. Et que lui aussi me parle en retour. Hallelujah. Amen. I'm insisting on that point. Je suis en train d'insister sur ce point. Because you can be talking to someone with whom you have no relationship. Parce que tu peux parler à une personne avec qui tu n'as point de relation. For example, par exemple, your co-workers. Tes coéquipiers de travail. You talk to them all day, but you have no relationship. Tu parles avec eux tous les jours, mais il n'y a pas de relation. No relationship. Il n'y a pas de relation. Did it happen to you? You go to or you went to a playground with your children, and there is a total stranger over there who also came with his children, and you just started talking. No relationship at all. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Vous rentrez dans un endroit pour vous amuser avec vos enfants, et il y a une autre personne inconnue qui vient et avec qui vous avez commencé à parler. So, you can communicate with someone with whom you have no relationship. Alors tu peux communiquer avec quelqu'un avec qui tu n'as point de relation. But this should not be the case with your God. Right. Mais cela ne doit pas être le cas avec ton Dieu. Right. Because He loves you. Parce qu'il t'aime. Like He really does. Il t'aime vraiment. So, no relationship, no dominion. Alors, s'il n'y a pas cette relation, il n'y aura pas de domination. Come on, lift up your hands right now. Tu peux lève ta main and say, et dis, I will not. Je ne vais pas. I will not. Je ne vais pas. Be defeated. Je ne serai pas vaincu. In Jesus' name. Je ne serai pas vaincu. I will not be defeated anymore. Je ne serai plus vaincu dans le nom de Jésus. In my prayer life. Dans ma vie de prière. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. So we define prayer. Alors nous venons de définir la prière. And we say. Et nous avons dit that prayer que la prière is a relationship based. C'est basé sur la relation d'abord. Communication. Et la communication with God. La communication avec Dieu. Simply put. Ça c'est simplifié. You talk to God. Tu parles à Dieu. And He talks back to you. Et il te parle en retour. Why is it important for God to talk back to us? Pourquoi
Pourquoi est-il important pour que Dieu nous réponde? I will talk about that later. Je vais expliquer ça après. Now, maintenant, let's go to the point. Nous allons aller au point. Now that you understand, maintenant que nous comprenons, what prayer is? Ce que c'est que la prière. How do we then exert dominion using prayer? Alors comment est-ce que nous exerçons la domination par la prière? How do we do that? Pourquoi? Comment est-ce que nous faisons cela? Let me give you just two keys. Je vais vous donner seulement deux clés. And then we're going to pray. Et nous allons prier. Hallelujah. Amen. The first thing you have to do. La première chose que vous devez faire. The very, very first thing. La toute première chose. That you have to do. Que vous devez faire. To exert dominion. Pour exercer la domination. Using the tool of prayer. En utilisant l'outil de la prière. You have to work on your relationship with God. Tu dois travailler sur ta relation avec Dieu. And you have to answer this question honestly. Et cette question, tu dois répondre d'une manière honnête. Is Jesus your savior? Est-ce que Jésus est vraiment ton sauveur? Is Jesus your Lord? Est-ce que Jésus est vraiment ton Seigneur? What are you doing? Qu'est-ce que tu es en train de faire? To deepen. Pour approfondir. And widen. Et agrandir. Your relationship with God. Cette relation que tu as avec Dieu. Let me show you what you have to do to do that. Et je vais vous montrer les choses que nous pouvons faire. You widen and deepen your relationship with God by a consistent and disciplined prayer life. Alors nous agrandissons et nous approfondissons cette relation avec Dieu par une vie consistante et disciplinée de prière. Mm-hmm. What did I say? A consistent and disciplined prayer life. Et une vie consistante et disciplinée de prière. Do you know? Est-ce que vous savez? Most Christians use God as a firefighter. Et la plupart des chrétiens utilisent Dieu comme un sapeur-pompier. Or a doctor. Ou bien un docteur. When I need you, quand j'aurai besoin de toi, I'll doctor. Je te ferai signe. And when you are done, et quand j'ai fini de te parler, thank you, sir. Merci beaucoup. If this is the case, si in your life, si cela est le cas dans votre vie, I'm sorry to say, but you will never ever. Je suis vraiment désolé de le dire. You will never ever exert dominion. Comme vous ne pouvez jamais exercer la domination. Ever. Jamais. Satan will be slapping you left and right. Va te gifler à gauche et à droite. And he will be here, okay, do something, I'm going to see, do something. Because he knows that your prayer life is already broken. Et il sera en train de jouer de toi. Okay, est-ce que tu es prêt? Parce que ta vie de prière n'est pas consistante. So the first thing you do. Alors la première des choses à faire. Oh, be in good terms with your God. Être en bonne relation avec ton Dieu. Through a consistent and disciplined prayer life. Par une vie consistante et disciplinée de prière. You don't pray today and you don't just pray today and tomorrow you refuse to pray. Or you pray only in the morning and in the night you don't pray. If your prayer life is just is a what's the right word? It's scattered just like that. You will not be able to dominate. Tu ne seras pas capable de dominer ou d'exercer la domination si ta vie de prière n'est pas consistante. Tu pries le matin, tu ne pries pas le soir, tu pries aujourd'hui, tu ne pries pas demain. Ta vie de prière est bafouée. Daniel chapter 6 verse 10. Le livre de Daniel le sixième chapitre. Daniel chapter 6 verse 10. Le livre de Daniel le sixième chapitre le verset 10. Let me read you this in New King James Version. It says, now when Daniel knew that the writing was signed, he went home. And in his upper room with his windows open toward Jerusalem, he knelt down on his knees 3 times that day and prayed and gave thanks before his God as was his custom since early days. It means Daniel prayed 3 times a day. Oh no, God, don't even read it because of the time.
Cela veut dire que Daniel il prie trois fois dans la journée. But let me put you in the context so that you may understand something. Et je vais vous mettre dans le contexte pour que vous compreniez quelque chose. Daniel was a political man. Daniel était un politique. His job is to be by the side of the king Nebuchadnezzar every time. Et il avait pour boulot de rester près du roi Nebuchadnezzar à chaque instant. Nebuchadnezzar is the king of Babylon, an empire that stretched, according to the records of the Bible, that stretched over 120 provinces. Alors Nebuchadnezzar était un roi puissant et cette province, son royaume s'étendait sur 120 provinces. It means the empire of Nebuchadnezzar was larger than America. Ce qui veut dire que l'empire du roi Nebuchadnezzar dans ce temps était plus vaste que les États-Unis. So you imagine Daniel working by the side of the king, but being working or being busy like that, he was still able to pray three times a day. Daniel, en tant qu'un homme politique, travaillait près de ce grand homme avec plein de charges, était encore possible. Et il était encore possible à Daniel de prier trois fois le jour, chaque jour. When I read this verse, quand j'ai lu ce verset, I told myself, je me suis dit, I have no excuse. Je n'ai pas d'excuse. You know, there are some people. Il y a des gens. They were prayer warriors back home. Il était des gens qui priaient par le chemin. Vibrant. Des guerriers dans la prière. Very solid. Il était très solide. But when they come here, mais quand ils étaient venus ici, when they came here, quand ils étaient venus ici, they will pray. Ils vont prier. Ils vont essayer. The other day they won't pray anymore. Et je vais prier aujourd'hui, le lendemain je ne prie pas. And they will say God understands. Et ils vont dire que Dieu comprend. This is America. Ça ici c'est les États-Unis. God, even God knows that I'm busy. Et même Dieu sait que je suis occupé. Hey my brother. Hey mon frère. This one. Cette fois-ci. Is not busy. C'est pas occupation. Is lazy. Ça c'est de la paresse. Can you be busier than Daniel? Est-ce que tu peux être plus occupé que Daniel? Je ne pense pas. This guy working in the kingdom. Il travaillait dans le palais résidentiel. It's like he was working at the White House. Ce qui veut dire qu'il de nos jours, il travaille à la Maison Blanche. He wasn't just a secretary. He was close to the king. Like you see him, you see the king. Il était très proche du président, du roi. En ce temps, tu vois le roi, tu le vois. But this guy was able to find time to pray three times a day. Ce monsieur était capable de retrouver du temps pour prier trois fois dans la journée. All this to keep his relationship with God. Et tout ceci pour garder sa relation avec Dieu. And you know what God did? Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait? Daniel stayed in that kingdom and he saw six generations of kings. Et Daniel est resté à ce poste d'homme politique pendant six générations de rois qui vont suivre. Yes. God promoted him. Dieu l'a promoté. Plein de promotions pour Daniel. So you can pray. Alors toi si tu peux prier. Come on, tell yourself, I can pray. Je te dis, je peux prier. Can you hear? You say, I can pray. Je peux prier. Hallelujah. Amen. This one is Daniel. Ça c'est Daniel. Now, Psalms 55 verse 17. Psalm 55 verse 17. David, the king, le roi David, himself, le roi David, he said, il a dit, evening and morning and at noon, le soir, le matin et à midi, I will pray. Je vais prier. What did I say? Evening, le soir, morning, le matin and at noon, même à midi, I will pray. Je vais prier. Come on, say with me, evening, le soir. I can hear you. Evening, le soir, morning, le matin, and at noon, et à midi, I will pray. Je vais prier. Evening, le soir, and morning, le matin, and at noon, et à midi, I will pray. One last time. Evening, le soir, and morning, le matin, and at noon, I will pray. Come on, give the Lord a big clap of praise right now.
nuit, le soir, le matin, la midi, je soupire et je gémis. So this is the first key. Alors c'est la première des clés. To be able, d'être capable, to exert dominion, d'exercer la domination, using the tool, en utilisant l'outil, the powerful tool, cet outil puissant, offering, qu'on appelle la prière. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Come on, say with me, I will pray. Hallelujah. Hallelujah. I will pray. I will pray. Amen. 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 That you remember the question I've asked, is Jesus your Lord and Savior? Est-ce que vous vous rappelez de la question que je vous ai posée? Est-ce que Jésus est votre Seigneur et votre I ask that question because j'ai posé cette question parce que this is the first condition. C'est la première des conditions to even enter into relationship de rentrer même en relation avec Dieu. Having Jesus ayant Jésus as your Lord comme ton Seigneur and Savior et ton Sauveur. How do you do that? Comment est-ce que tu fais cela? If you confess with your mouth si tu confesses de ta bouche that Jesus is the Lord que Jésus est Seigneur and you believe in your heart et que tu crois dans ton cœur that God que Dieu has raised him from the dead. La résister des morts. Then you will be saved. Alors tu seras sauvé. And this will be the beginning. Et cela sera le commencement de cette belle relation. That's even why the reason why we pray in the name of Jesus. Et c'est même pour cela que nous prions dans le nom de Jésus. So when we pray, alors quand nous prions in the name of Jesus, dans le nom de Jésus. What God sees first, ce que Dieu voit premièrement, He sees Jesus. Il voit Jésus. And when He sees Jesus, et quand il voit Jésus, He says, il dit, I recognize this one. Je me rappelle de celui-là. That one is me. Ça, lui c'est moi. So let me see who is behind the use of that name. Je veux voir qui est derrière et qui utilise ce nom. And He will be seeing you. Alors il va te voir. And He will recognize you. Il va te reconnaître aussi. I know this one. Oui, je le reconnais aussi. He is in close relationship with me as et well. Et lui aussi est en relation particulière avec moi. So what is his need? Alors de quoi a-t-il besoin? Let me look into it. Je vais voir. And let me hear his voice. Et je vais entendre sa voix. That's why relationship is important. C'est pour cela la relation est très importante. Hallelujah. Amen. Work on your relationship with God. Et travaille sur ta relation avec Dieu. The second and the last key I'm going to share. Et le second et la dernière clé que je vais vous donner. Learn to pray effectively. Alors apprends à prier d'une manière effective. I know you'll be asking yourself, what's the reason why we read all those verses? Et tu te demandes pourquoi est-ce que nous avons lu tous ces versets en premier lieu. If you can remember when you were reading James 5. Et si tu te rappelles quand nous lisons le livre de Jacques, le chapitre 5. James was saying something. Jacques disait quelque chose. He said the effective. Il a dit la prière. And fervent. Fervente. Prayer. Du juste. Of the righteous. Du juste. Avail. Much. A une grande efficacité. What does that mean? Qu'est-ce que cela veut dire? You can pray. Tu peux prier. But not be able to pray effectively. Et ne pas être capable de prier d'une manière effective. How then do you pray effectively? Alors comment prier d'une manière effective? Maybe you pray with results. Tu pries avec des résultats. You need to know and have a habit of word-based prayer. Alors nous devons et apprendre comment prier avec la parole de Dieu, basé sur la parole de Dieu. Because if you don't pray with the word, you pray amiss. Le prie avec la parole de Dieu, tu vas prier et tu vas rater. The effectiveness of your prayer is based on the word of God. L'efficacité de ta prière est basée sur la parole de Dieu. Now, this is how Apostle John puts it. Alors l'apôtre Jean a dit ceci. He said, il a dit, this is the confidence that we have in him. Voici la confiance yes. que nous avons en lui. That if we ask according, que si nous demandons, if we ask anything according to His will, quoi que ce soit nous demandons selon sa volonté, He hears us. Il nous écoute. According to what? Selon His sa volonté. Now, what is the will of God? Alors c'est quoi la volonté de Dieu? The will of God. La volonté de Dieu is the word. C'est sa parole. And let me put it this way. Je vais autrement dire, when we pray, quand nous prions,
And for the result to come, pour que nous ayons de résultats, the power of God has to be put in action. La puissance de Dieu doit s'engager. Now, maintenant, the power of God doesn't work anyhow. La puissance de Dieu ne travaille pas n'importe comment. The power of God has a juridiction. La puissance de Dieu a une juridiction. And the juridiction of the power of God is the word. Et la juridiction de la puissance de Dieu, c'est pas la parole de Dieu. God doesn't do what he hasn't said. Dieu ne fait pas ce qu'il n'a pas dit. That's the reason why a lot of Christians are praying, but they don't have any result, simply because they are praying outside of the word, outside of the will of God. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens prient et ils n'ont pas de résultat parce qu'ils prient en dehors de la volonté de Dieu. God doesn't lie. Dieu ne ment pas. What he says, il dit, he does. C'est ça il fait. Let me say it again. God, Dieu, doesn't lie. Ne ment pas. What he says, he does. What he says, he does. What he says, he does. Now, do you know what he says? Est-ce que tu sais ce qu'il a dit ou bien ce qu'il dit? That's the big question. Ça, c'est une grande question. Let me give you some instances. Je vais te donner quelques exemples. Thank you. You are sick. Tu es malade. And you want God to heal you. Et tu veux que Dieu te guérisse. Do you know how to pray that? Est-ce que tu sais comment prier pour ta guérison? Oh, you're going to say, Seigneur, in Jesus' name, dans le nom de Jésus, I'm sick. Je suis malade. You yourself, you know that you have to heal me. Mais tu sais que tu dois me guérir. Because you said, parce que tu as dit, you have to heal me. Tu dois me guérir. So heal me. Alors guéris-moi. Now. Maintenant. Lord, I give you 3 days. Seigneur, je te donne 3 jours. If you don't heal me, si tu ne me guéris pas, I will depart the church. Je vais quitter l'église. Okay. Et je dis ok. 3 days will pass. Trois jours vont passer. And you leave the church. Et tu vas quitter l'église. And you will die. Et tu vas mourir après. Does that mean that God lied? Est-ce que cela veut dire que tu as menti? No, he doesn't. Non. Now let me show you how to pray. Je vais montrer comment prier. You are sick. Tu es malade. And you are praying God for healing. Et tu pries Dieu pour ta guérison. The thing that gives you the credence or the assurance or the boldness that God should and must heal you is you. Alors la chose qui te donne l'assurance et même la force de prier est ici. Isaiah 53 verse 5. Esaïe 53 le verset 5. But he was wounded for our transgression. Mais il a été blessé pour notre transgression. Voilà. He was bruised for our iniquities. Et il a été détruit pour nos iniquités. The chastisement for our peace was upon him. Le châtiment de notre paix était sur lui. And this is the most important part. And by his stripes, et par ses blessures, we are healed. Nous sommes guéris. And notice the verb and the tense used there. We are healed. Not we will be healed, but we are is a fact. I am healed. Si nous sommes guéris, il faut remarquer la conjugaison. Il dit nous sommes guéris. Pas nous serons. Pas nous serons. Pas nous serons. Pas nous serons. Not we will be. Nous ne serons pas. This word was written long, long ago before Jesus was born. Et cette parole a été écrite très longtemps avant. But it is fulfilled in Jesus. Mais cela a été accompli en Jésus. Now let me show you how you use that. Alors je vais te montrer comment utiliser cela. Oh my Lord, I am sick. Oh mon Dieu, je suis malade. I can feel that pain in my chest. Je sens des malaises. But this is the confidence that I have. Mais la confiance que j'ai. That if I pray according to your will. Quand je prie selon ta parole. You hear me. Tu m'écoutes. And this is what you promised. Et c'est ce que tu as promis. Ah my God, you said. Et Dieu, tu as dit. By your stripes. Par tes blessures. I am healed. Je suis guéri. So on this word. Alors basé sur. Oh my God, I declare. Dieu a déclaré. To the universe. Dans l'univers. Que l'univers. I declare. Je déclare. That my body is healed. My body is healed. My body is healed. And like magic. Et comme de la magie. If you do so really
by faith. Si tu fais cela selon la foi, you will see that this pain that you were feeling, alors la malaise que tu as dans ton corps, is leaving your body. La malaise quitte ton corps, because you call upon. Parce que tu as invoqué. The highest authority. Tu as invoqué une autorité là-bas. By using the word by faith, utilisant la parole par la foi, what's the word? You push God into action. Et tu as obligé Dieu en action. Because it is His own word. Parce que c'est sa propre parole. And He is a faithful God. Et il est un Dieu fidèle. And He knows. Et il sait that if He doesn't do it, quand il ne le fera pas, His credibility is at stake. Sa crédibilité est en jeu. So God has to come into action. Alors Dieu est obligé de rentrer en action. To set you free. Pour te libérer. That's how you exert dominion. C'est comme ça qu'on exerce la domination. Over sickness. Sur la maladie. Any kind of sickness. Toute sorte de maladie. In your body. Dans ton corps. In your mind. Dans ta pensée. In your soul. That's how you get rid of all those sicknesses around you. Tu fais disparaître toutes ces maladies. You can do that. Tu peux le faire. I can do that. Je peux aussi le faire. Why? Pourquoi? It is written. Parce qu'il est écrit. Even the Lord Jesus used it is written. Même Jésus lui-même a utilisé, a dit, il est écrit. Why are we not using it? Pourquoi nous n'utilisons pas, il est écrit? Do you know why? Vous savez pourquoi? We don't even know that it is written. Nous ne savons même pas que c'est écrit. Hallelujah. Amen. My time has gone long ago. Hey, bon has gone. My time has gone. I'm sorry. Je suis désolé, mon temps est fini. Another instance. Et un autre exemple. What gives you the credence that God should bless you? Okay, qu'est-ce qui te fait croire que Dieu est obligé de te bénir? Is God obliged to bless you? Est-ce que Dieu est obligé de te bénir? Yes, He is. Oui, il est obligé. If we know, si nous savons, what to tell Him, quoi lui dire, and what to do. Et quoi faire? Deutéronome 28. Le book de Deutéronome. We are not going to read it. Le chapitre 8. From verse 1 to 14. Verset 1 à 14. God said. Dieu dit. If you hearken. Si vous écoutez. To the voice. Si vous prêtez attention à la voix. Of God. De Dieu. And if you do according. En observant. All my precepts et en mettant en pratique tous ces commandements and commands. These are the blessings that will follow you. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur vous. So the condition is just here. Et la condition c'est d'écouter. Now you see. Maintenant, you say you talk to God and you hear. Yeah, vous comprenez, tu dois parler à Dieu et tu dois aussi l'écouter. So you do according to what you hear. Alors tu fais selon ce que tu as écouté. You do according to what you read. Tu fais selon ce que tu as lu. And when you do that, et quand tu fais cela, blessings, la bénédiction, will follow you. Va te suivre. Not you will ask for them. Pas que tu vas demander cela. Your obedience will quicken God into action. That ton obéissance va amener Dieu en action. Hallelujah. Amen. Hallelujah. The devil is threatening your life. Le diable est en train de te maltraiter. The devil is threatening your life. Le diable est en train de te poursuivre. How do you deal with that? Comment est-ce que tu réagis à cela? Remember, we are talking about exerting dominion. Nous parlons de comment exercer la domination. The devil is buffeting you left and right. Le diable est en train de te chicoter à gauche et à droite. And you are doing it. Et tu es là. You don't know what to do. Tu ne sais pas quoi faire. You don't tell you what tu vas te dire ce que tu dois faire. Ah, Luc 10. Luc 10. Luc 10. Luc 10. Verse 18 to 19. 18 et 19. Ah, Jesus himself said. Jésus lui-même a dit. I saw Satan fall. J'ai vu Satan tomber du ciel. I saw him fall. J'ai vu, il est tombé. So Satan is in a position of disadvantage. Alors il est déjà dans une position de désavantage. Because he fell. Parce qu'il est tombé. And now Jesus continues saying. Et là, Jésus continue. Il dit, I like this question. Il dit, I have given you. Je vous donne authority. Autorité. Don't somebody say authority. Autorité. I have given you. Je vous ai donné l'autorité. You that is looking at me right now. Toi, he said, il dit, I have given you. Je vous ai donné
authority, autorité, to trample, pour marcher, on snakes, sur les serpents, and scorpions, et sur les scorpions, and you overcome, et tu réussiras, you overcome all the powers of the enemy, toute la puissance de l'ennemi, and nothing will harm you, et rien ne sera pour lui. That's how you fight your battles. C'est comme ça que tu gagnes tes combats. That's how you win your battles. C'est comme ça que tu gagnes tes combats. Are you following? Est-ce que tu es là? Don't stay there and let Satan do anyhow with you. Tu ne dois pas juste t'asseoir et voir Satan mal te malmener. You are more powerful than him. Tu es plus puissant. Say amen. You are more, tu es more powerful than him. Hallelujah. Amen. Just go into the word. Alors va dans la parole. Pray word based. Et prie selon la parole de Dieu. You want favor? Tu as besoin de faveur? How do you pray about favor? Comment est-ce que tu pries pour des faveurs? You have a difficult boss at work. Tu as un superviseur qui est difficile au boulot. How do you go around that? Comment est-ce que tu fais toutes ces choses? Par la prière. Esther 2:15. Le livre d'Esther. Esther 2:15. Chapitre 2, le verset 15. The last part of that verse. La dernière partie de ce verset. It said. Il dit. And Esther obtained favor in the sight of all who saw her. It means if I am Esther, everybody who saw me, they will start being blessed. Et Esther just a reçu. That's favor in action. Amen. Et Esther a reçu des faveurs. Auprès de tous ceux qui jetaient leur regard sur elle. Voilà. Alléluia. Amen. So everything is in the word of God. Alors tout est dans la parole de Dieu. Everything. Tout. Amen. Amen. But you have to read it. Même devant le lire. And you have to meditate on it every single day. Et nous devons méditer sur cela tous les jours. And one thing I also discovered is that it's good for you to listen. You play in your car instead of listening to worthy music or I don't want to use this nonsense. So it's nonsense though. Instead of you using your time doing that while you're traveling to your workplace, listen to the word. But you know, I tried this during the week, and I was able, from my home to where I was going, I finished the book of Daniel. I finished in the space of how long? 30 minutes. I finished the whole book of Daniel just by listening. And when I was listening to it, my faith grew. Yes. Amen. Amen. Like something was burning in me. It's good. The word of God. Hallelujah. The word of God is powerful. Mais vous pouvez aussi développer l'habitude d'écouter la parole. Par exemple, vous allez au boulot, vous êtes dans la voiture. Au lieu d'écouter des chansons qui n'obéissent pas à Dieu, vous pouvez, les chansons qui ne louent pas Dieu, vous pouvez écouter la parole de Dieu. Je l'ai fait la fois passée et j'ai écouté tout le livre de Daniel dans quelques minutes en allant au boulot. Alors ma foi a grandi à moi. Because faith comes through. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. And what do you hear? Et ce qu'on entend, la vient de la parole de Dieu. I want to finish. Et je finis comme ça. And I want to tell you about the danger of prayerlessness. Et je veux vous parler du danger du manque de prière. Prayerlessness is dangerous. La manque de prière est très dangereuse. If you are looking at me right now, if you don't pray, si tu me regardes maintenant et que tu ne pries pas, you are in danger. Tu es en danger. Parce que la manque de prière is very dangerous. Est très dangereuse. You can even die. Et tu peux même mourir de cela. I'm not scaring you. I'm just telling you. Pas besoin de faire peur, mais je vous dis la vérité. You will face things that you ought not to face. Et tu vas faire face à des choses que tu ne devrais pas faire face. Acts chapter 12. Dans le livre de Actes, le chapitre 12, verse 1-3. Le verset 1-3. Herods, le roi Herodes, an evil king, et un roi méchant, started persecuting the church. Il a commencé par persécuter l'église de Jésus. And you know what he did? Et vous savez ce qu'il a fait? He arrested James. Il a arrêté Jacques.
the brother of John. Le frère de Jean. And he beheaded him. Et ils l'ont décapité. Now, maintenant, this is the interesting part. C'est la partie la plus intéressante. The Bible says, la Bible dit, when he saw that it pleased the Jews, quand il vit que cela a plu aux Juifs, he proceeded further. Et il a continué. Let me tell you. Je vais vous dire. When he was doing all this against the church and James, quand il faisait tout ceci contre l'église et aussi à Jacques, the church at that time was not praying. Et l'église ne priait pas en ce moment. They didn't pray for James. Ils n'ont pas prié pour Jacques. No, they didn't. Ils n'ont pas prié pour Jacques. Until this guy died. Jusqu'à ce que Jacques est mort. Now he proceeded further. Maintenant il continuait. And he caught Peter. Et il a fait arrêter Pierre. And now the church woke up. Maintenant l'église s'est réveillée. And they started praying. Et ils ont commencé par prier. And it's because of the church's prayer. Et à cause de la prière de l'église. That Peter was miraculously delivered. Pierre a été délivré d'une manière miraculeuse. And he couldn't die. Et time. Il n'était pas mort en ce temps-là. My beloved. Mais bien aimé. If you don't pray. Si tu ne pries pas. Satan will proceed further. Va continuer dans ce qu'il fait. He comes in your life. Il vient dans ta vie. And he started touching your husband. Stella, il commence par bousculer ton mari petit à petit. And you are noticing that your husband is not loving you. Et tu commences par remarquer que ton mari ne t'aime plus comme avant. You feel women can feel things. Et so you know that something is wrong. This is not my husband. Tu commences par sentir, tu sais que quelque chose n'est pas à sa place. My sister, my soeur, it's not the time to hear. What did I do to him? I don't even know. I'll go talk to pastor. Pastor is busy. Et ce n'est pas le temps de te lamenter. Ce n'est pas le temps de dire. Tu dois aller parler au pasteur. You better pray. Tu dois prier. Pray. Because if you don't, si tu ne pries pas, Satan will proceed. Satan va continuer. That's how couples that are very together, at the end of the day, they separate. C'est comme ça que tu vas voir des couples qui sont bien ensemble. Et jusqu'à la fin de la journée, ils ne sont plus ensemble. You feel a pain in your body. Tu sens une douleur dans ton corps. Pray. Otherwise, sinon, this little pain, ce petit, ou bien cette douleur là, will become cancer. Va devenir. Just because you didn't pray. Parce que tu n'as pas prié. And you let Satan to proceed. Et tu as laissé l'avantage. Satan. The danger of prayerlessness. Alors le danger du manque de prière. You are actually telling Satan, okay, calm over. I am free. Do whatever you want. Et tu dis, oh, fais tout ce que tu veux, Satan. Gagne du champ dans ma vie. So. Alors. Pray all the time. Prie à chaque fois. Even when you are looking at me right now, pray. Maintenant, même là, vous priez. In your car, while you're going home, pray. Dans ta voiture, en rentrant, vous priez. At your workplace, pray. Quand tu travailles au boulot, vous priez. Yeah, I pray everywhere. Je prie partout. When I say everywhere, it's really everywhere. Quand je dis partout, c'est que je prie partout. Everywhere, I pray everywhere. Je prie partout. Now that you understand, maintenant que tu comprends, that what makes your prayer effective is praying the word. Come on, pray. Quand ta prière efficace de prier basé sur la parole de Dieu. Now that you understand, maintenant que tu comprends, that prayer is not a monologue but a dialogue between you and God. Pray. La prière c'est un dialogue entre toi et Dieu. Faut prier. Now that you understand that prayer needs relationship with God. Pray. La prière c'est une relation entre toi et Dieu. Faut prier. Hallelujah. Now listen to the conclusion of the matter. Écoute ma conclusion. Talk to God. Parle à Dieu. And let Him talk to you as well. Permets que tu parles en retour. Please, when you talk to Him. Alors quand tu le parles. Wait until He releases you. Attends jusqu'à ce qu'il te parle en retour. Yeah. Wait until He releases you. Attends jusqu'à ce que lui-même te dit, c'est bon mon fils, bien ma. Build a solid relationship with Him. Alors construis une relation solide avec lui. By living a consistent prayer life. En vivant une vie consistante de prière. And pray the word back to Him. Et prie la parole à Dieu. If you do so, si tu fais ainsi, you will exert a dominion. Tu vas exercer la domination. You
using the tool of prayer. En utilisant l'outil de la prière. Therefore, alors, pray, prie, pray, prie, and pray again. Et prie encore. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. I will pray.